Salut les amis, c'est Stéphanie de la chaîne Les Trucs de Stéphanie. Ne faites pas attention à ma tête, je suis malade, donc c'est pour ça que je fais peur. Donc voilà, je regarde un peu par là, parce qu'il y a une baie vitrée là. Bref, la qualité de l'image est médiocre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc on va parler de moi, les petits trucs de moi. Pourquoi pas? J'avais prédit, non, j'avais pas prédit. J'avais dit à Sybille de la chaîne Sybille, ce soir on va se marier, qu'aux 100 abonnés je me montrerai. Donc ce qui est une promesse, c'est une promesse. Donc je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit. Donc commençons. Ma phobie des poissons. C'est une phobie catastrophe parce que même au magasin, je suis obligée de faire le détour du rayon poissonnerie parce que j'ai peur. Oui, mes enfants ne mangent pas de poisson parce que voilà, il y a d'autres remèdes industriels entre parenthèses. J'ai cette phobie, je sais pourquoi, parce que j'ai été piquée étant jeune à la main et ma main a gonflé à peu près un mois et demi. Donc voilà, je sais d'où ça vient. Ma couleur préférée, c'est le noir, tout d'abord, depuis toujours, et le rouge bordeaux. Voilà, je vous laisse voir. Mais le rouge bordeaux, hein, je sais pas si vous voyez la couleur, je sais pas, parce que voilà, c'est le rouge vraiment bordeaux. Bref, ma religion, je suis musulmane. Voilà pourquoi j'étais chrétienne à l'époque, quand j'étais jeune. Vraie chrétienne, hein, j'étais à la baptisée, nanana, j'étais vraie chrétienne. Mais ma destinée a fait que je suis partie autre part. Et franchement, je vais vous dire un secret, je suis franchement mieux comme ça. Bref, mes origines. Beaucoup croient que je suis arabe, marocaine, maghrébine, entre parenthèses. Non, pas du tout, je suis 100% française. Sauf que je pense que le fait que tu portes le voile, les gens croient que tu es autre. Après, voilà, c'est pas méchant, hein, je prends pas mal non plus, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Le nombre d'enfants, j'ai 2 enfants. Donc, un qui vient de rentrer là récemment, et dont je parle dans la vidéo précédente. Voilà, Bella. Et mes plats préférés sont les salades avec un petit peu de fromage dedans. Surtout pas du camembert. Du camembert, c'est ouah. Je pense, je vais pas mentir, mais je pense que c'est le seul fromage que je ne mange pas. Je mange du brie qui est l'équivalent du camembert, mais qui a aucune odeur et encore, il faut qu'il soit comme du plâtre. Voilà. Et le gratin de saumon. Le gratin de saumon fait maison. Ça veut dire, je vous montrerai un jour la recette, peut-être. Je pense, ouais. Vous coupez des patates en tranches, en lamelles rondes. Vous les faites frire. Après, vous les sortez, vous les mettez dans un plat avec à peine de sel, vraiment une pincée. Vous mettez du saumon cru, là, les tranches de saumon. Vous mettez de la crème fraîche par-dessus. Et ensuite, vous mettez du râpé ou le fromage que vous voulez par-dessus. Et franchement, c'est une tuerie. Voilà. Mes meilleurs amis, j'en ai pas vraiment d'amis. Parce que c'est personnel. C'est que je veux pas. Après, j'ai des connaissances. Oui, mes amis, non. Mes amis sont ma soeur Christelle. Ma soeur Christelle qui a toujours été là pour moi dans les moments très difficiles. Et sa fille Maïva. Maïva, si tu vois cette vidéo, tu peux remarquer un commentaire parce que quand je vais venir ce week-end, ma pauvre. Non, je rigole. Bisous, ma chérie. Et j'ai une nouvelle, pas meilleure amie, mais elle est superbe. J'ai une amie virtuelle, entre parenthèses. Pardon, virtuelle. Je peux pas trop le faire. Voilà. Virtuelle, c'est Sybille. Sybille avec qui je prends souvent des nouvelles et qui prend souvent des nouvelles de moi aussi. On est devenus amis grâce à Paquito Fimo sur un live de lui. Merci Paquito. Pas avec un K mais avec un Q, U. Oui, il m'appelle Stéphanie aux mille visages. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs pseudos où j'ai perdu mes chaînes. Mais là, c'est définitive. Donc voilà.
Merci Paquito pour ta proposition aussi, j'y penserai, mais quand je ne sais pas. Parce que j'ai toujours la main en cacahuète. Voilà. Je fais des bijoux, mais des bijoux rapides à faire, en fait, des trucs. Voilà. Un mélange de couleurs, bref. Voilà. Ce que je déteste. Oh là là. Là, on va en venir. Les gens hypocrites. Les menteurs. Et les gens qui se moquent des gens dans la rue. Ah, mais t'as vu, elle est moche. Ah, t'as vu, nanani, elle est mal habillée. Avant de juger les gens, je vais vous dire, fermez votre bouche pour la simple raison que vous ne connaissez aucune vie des gens. Peut-être cette personne qui est mal habillée vit dans la rue. Peut-être que cette personne mal habillée n'a pas de d'argent pour le faire. Après, les gens qui se foutent du monde, en fait, les hypocrites, oh salut, ça va? Et par derrière, ils vont te balancer des vannes qui te critiquent à tire-larigot. Mais bon, moi, ça rentre par là, hein. Et ça rentre, ça sort par là. Vous êtes hypocrite, il n'y a pas de souci, mais dites-moi le franchement. Ensuite, le manque de respect. Le manque de respect envers tout, que ce soit adulte, enfant ou quoi que ce soit. Un jour, je laisse ma place dans le bus à une personne âgée. La personne âgée, si elle aurait pu me frapper, elle m'aurait frappé. Oui, je sais pas bien, nanana, nanana. Il faut arrêter. Tu laisses ta place et déjà, dis-moi merci. Bref, pourquoi j'ai fait YouTube? Pourquoi? Par curiosité. Mon cher, mon chaîne, mais oui. Mon fils me parlait pour faire une chaîne et du coup je l'ai faite. Voilà. Vous savez tout sur moi. Mes passions, oui, je l'avais dit, la résine, la figmo, nanana. Je fais une petite dédicace à Sybille. Ce soir, on va se marier. À ma soeur Christelle. À ma nièce Maïva. Merci pour hier soir, Maïva. Tu m'as acheté 5 bijoux. C'est super cool de faire affaire avec toi. Et voilà. Ainsi que Paquito Fimo, qui m'a fait une proposition de patouiller avec lui. C'est un honneur de patouiller avec lui. Mais pour le moment, je n'ai pas l'équipement adapté. Donc, je ne sais pas. À voir. Ensuite, papa fait des lives. C'est une personne folle, mais je kiffe. Franchement, ne l'écoutez pas pendant ces lives avec vos enfants parce que des fois, il y a des paroles vulgaires. Donc, moi, j'ai toujours des écouteurs, donc c'est pas méchant. Ensuite, il y a Boss Papan qui m'a aidé aussi à monter dans tout ça. Et qui est super sympa aussi. D'ailleurs, je vous dis à vous, abonnez-vous à ces chaînes. Paquito Fimo, Boss Papan, Papa fait des lives et Sibyl, ce soir on va se marrer. Parce que franchement, respect, respect. Je les suis, hein. Je les suis trop, hein. Mais je vous dis respect. Donc voilà, je vous fais un gros bisou en espérant que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous. À plus ma puce. Ciao. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et voilà. Ciao.